on recommence. Cette histoire a pour un juste de temps en 2009, un samedi, le 3 mai, plus exactement un an après la tragédie. Un passage d'un cyclone, un Pogalais en Birmanie, où vivent des mômes dans une misère illégale. Leurs familles ne sont plus qu'un amas de corps fichés sous terre. Des disparus, des croix dans un cimetière, des mômes sans avenir qui peu à peu choisissent les deals, si peu heureux. Martyrs, esclaves, des filières du textile, tel est le cas de un bois en lune. Mômes sans destin, venus en Thaïlande faire fortune, seul grade oublié clandestin. Ce mouvement pro-démocratique, la coach au lieu d'enseigner dans d'ateliers fantomatiques pour les exilés sans denier. Il se tuera au boulot, 16 heures fois 29 jours par mois. Prend une batte à 55 euros, son salaire le roi. 6 heures de sommeil sont minimes, une main suffit pour les compter. Sa vie se résume à l'usine, là où les règles sont boycottées. Sa vie, son vécu n'est pas transcendant. Ce môme n'est qu'un être asservi par les caprices de l'Occident. Une sous-traitance aux trocottes, une main d'œuvre pour marcher. Susan de l'endroit à Mace, terre en silence pour se cacher. Des puants sur les chiquiers dans ses usines du textile, qui pour ne pas être fliqués, ne pratiquent jamais. Immobile, cercle vicieux sans fondement, où gravite l'offre et la demande. Sous des usines servant les grands, au profit de la contrebande. Un jour l'enduit va te dire ça, qui dit l'humain du camouflé. Sur des étiquettes, un message, seul moyen pour lui d'exister. Exister à travers ces mots, reflet de ces mots, ces travers, qui sont ainsi recto verso, ses sentiments les plus sincères. Un bout de tissu pour ma quête, un délébile rentre le fil. En grand plume devient un poète, sur l'invisible du textile. Les ressemblances de ce texte avec notre monde ne sont ni intentionnelles, ni fortuites, mais inévitables. Il est des choses sur terre que malheureusement l'homme va ignorer, car le malheur des uns forge le bonheur des autres. Mesdames et messieurs, c'est une histoire vraie, celle de Hang Wong Lun, petit enfant de Birmanie, qui grâce à une écriture sur une étiquette réussit à rêver un tout petit peu. Merci. Merci beaucoup.